Tout le monde qui était impliqué dans l'enlèvement chez Elson Sano. Et chez Elson Sano dit clairement qui moune. Il dit non yo. Il dit donc deux mesdames qui étaient escortées yo, servies comme garde du corps. Et ensuite, le bourreau, l'assassin, le criminel, le kidnappeur, l'altonni dans le pénitentiaire, qui c'est Pierre Espérance avec documents en main. Donc ça, il faut être clair. Il faut que nous vivions dans une situation côté que société ça, il faut que nous nettoyer pour nous retirer la donne. Tout élément irritant, vagabond, qui pensait que il a fait la loi, et tandis que lui-même, il est criminel. Pierre Espérance a tant de chansons dans la prison. Avec acte d'accusation en amène, qu'elle t'a fait signer sans ne pas rendre compte là. Et par la suite, Chelson dit que, il dit Chelson, prends connaissance de ça, et sous pas prendre de connaissance de lui, ou pas jamais l'agir. Or, nous avons témoignage là, dans la déclaration qu'elle fait, dans l'échange qu'il fait avec lui, mais primé pour nous là, pour nous voir que, nous pas besoin midi à 14h pour nous qualifier sa privée Chelson non, comme un kidnapping. Donc, DCPJ qui est responsable, enquête sur la grande criminalité, il a une responsabilité pour faire lui-même sur ça. Donc, pas bien qu'on est, si c'est si Pierre Espérance est petit ceci et petit cela, si Pierre Espérance est grand parrain, grand marraine, ça c'est un cas de kidnapping. Classique que qui méritait une enquête. Et kidnapper, kidnapper fait 10 ans. Ça qui est important. Pierre Espérance a dans la grande prison pour Chelson, il fait 3 heures de temps, 45 minutes. Dans qui sont carcéral, un citoyen pour le chita pendant 3 heures de temps, 45 minutes. Pour faire qui ça? Yo bak Chelson tout non. Yo met chaîne dans pied, chaîne dans rel, l'international yo passé l'examen et yo rend compte que li pas coupable. Et qui moun ka traduit pour Chelson? Marie Rosie Auguste du Sénat. Yo mam nan kidnapping nan, qui fait kidnapping nan? C'est le ka traduit pour Chelson. C'est yo ba Chelson avocat. Il se met Marie. Donc c'est un cas et nous mandé commissaire gouvernement. Il faut le faire presser, presser, pour le demander pour que vous auditionnez tout le monde qui est impliqué dans l'acte que nous-mêmes nous qualifions de kidnapping. Là, nous dénombrons ça, nous avons plus que 10 chefs d'accusation contre l'expérience dans ça. En dehors de kidnapping, association malfaiteur, il y a étrangers qui mélangent la donne, il y a vol téléphone. Nous avons quelques la donne. Il y a plus que 10 chefs d'accusation dans sa privée, Chelson. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous disons que le commissaire gouvernement, DCPJ, je te pour. Si c'était un lot, longtemps, il a auditionné. Il y a passé chez Chelson. Donc ça, il est clair. Et dossier, ça m'a dit là. Il prend sur le plan international. Clair. Nous voyons sur le plan international avec lui, sur tout rapport assassinat, massacre, crime que Pierre Espérance fait citoyen en d'un pays. Ça. Déjà, nous en contact avec des organisations internationales. Et dossier Netsi, Diego Charles, massacre d'Elma 32, tout prend sur le tapis. Faut lumière, faites sous lui et DCPJ qui toute information possible et imaginable sous gang 4x4. Dernière date, et Florival Mendy, qui a arrêté dans ses maps, dans affrontement avec la police. Monsieur, ça a impliqué dans tuer policier. Il y a une zame la police dans mes d'après information DCPJ qui n'amène. Il a arrêté avec plusieurs autres mounes. Et monsieur certifié, il justifie que il s'est bras droite et gang 4x4 dans la Tibonite. Elle nous a dit que gang 4x4 en bas est puissant. Donc déjà là, allez au niveau des CPJ. Des CPJ, il faut qu'il y ait un bail rapport. Tandis que les bail blanc, les bail international, prochaine conférence qu'on fait là, on a venu avec liste moun qui était chita des CPJ, qui a le temps de rapport des CPJ gagné, plainte de gagné, dossier gagné, super expérience. Monsieur étranger, ça, ok, je doute que vous êtes Texas, vous êtes tellement saisi, vous êtes mis en tête. Vous avez fait une conférence de presse, vous n'avez pas fait. Mais ça, vous attendez, ça, vous êtes, maman petite, Marie. C'est grave pour une organisation de droits humains. Mais dis-nous encore que, il a arrêté Fleurival Mendy avec matériel, la police Tamil, DCPJ. Il y a toute information ça. Et dans ce sens, ça, nous dit que, faut que DCPJ assume responsabilité. Il fait lumière sous gang 4x4 là pour rapport à un commissaire gouvernement, même genre que le commissaire gouvernement dit, la tonne rapport sous gang 4x4. Donc, Pierre Espérance a fait diversion, la prière diversion, je m'a pas annoncé que Pierre Espérance par un pays. Ok, pour une raison, pour l'autre, il trompe vigilance de CPJ. On dit nous ça.
Il te prend prétexte que il est malade, il est macouclou, macouné. Il faut qu'il aille dans le médecin, le médecin traite en ligne pendant une période de 3 ou 4 jours, mais 8 jours. Mais nous sommes au 4e mois là, l'espérance n'est plus. L'espérance n'est pas sous sol là, mais elle a créé toute diversion, elle a bien tout support. Moun. Donc, dans ce sens, ça nous dit que la situation de la guerre, elle a continué. On a continué à mener la bataille là jusqu'à ce que Selson joigne justice et réparation et que la justice actuellement là pour plainte par nous et pour plainte par nous, m'a pas une petite précision pour nous. Pour qui ça fait espérance de fait maintenant dans le rapport. Je veux dire ma clair sur ça. Et deux raisons fondamentales. Première raison, c'est parce que les RNDDH crasé Marie-Hélène Gilles Kittel, la montée, j'éclairais. La directeur général. C'est moi qui montais le dossier pour j'éclairer. C'est-à-dire analyser, le voyer dans la direction affaires politiques qui occupait de l'affaire fondation. Et moi finaliser, inviter, venir corriger. Finalement, nous remettre le dossier avec les signatures appropriées. Et puis, j'éclairais, à fonctionner. J'espérance, pas d'accord. Il fâché. Et il contactait des amis. Il expliquait que je supportais Marie-Hélène. Deuxième élément pour nous connaître. Deuxième fait. Il y a un monsieur qui est dans l'ICO qui est impliqué dans détournement l'argent de l'État. Il y a fait chef, un seul chef qu'on fait 3-4 fois, plus passer 36 millions de gouttes que le ministère de l'Intérieur a perdu. Le commissaire gouvernemental a instruit le dossier, et bien, il a arrêté Mounsayo. Mais probablement, monsieur ICO, c'est lui qui a changé chef pour monsieur. Et il dit famille, monsieur, il a vengé. Mais il y a raison, ok? C'est deux raisons fondamentales. Monsieur a mouru dans prison parce que tu as arrêté dans détournement de l'argent de l'État, puisque 36 millions de gouttes, 12 millions, etc. On seul jour, il y a 12 millions de gouttes qui changent. Et puis, nous procédons avec l'arrestation de toute équipe là, la justice qui est béo. Et puis, comme c'était allié Pierre Espérance, il y a des gens à Pierre Espérance au bac à droite. Et puis, monsieur dit, famille, monsieur, je ne connais pas, qu'il a vengé. Donc, et puis, il fait saloperie rapport là, et puis, il met des noms là. Même comme moi-même. Mettez grain dans mon dame, gouma monsieur, je viens d'information pour qui ça le fait, et puis nous jouons moun qui fait yo, moi dit monsieur, on a jugé sous dossier la saline, on a jugé sous dossier gang 4x4 qu'il te veut kidnapper nous là, nous devons témoigner tout ça dans le CPJ. On a jugé sous la monnaie avec 10 politiciens de l'opposition qui participaient dans la mort, dans le monde qui mouille d'Elma 32 et dans la monnaie. Ça au clair. C'est clair, nous avons tout dans nous et nous demandons, il faut que le procès soit fait. Et nous disons, pas d'accord pour ce fait, il faut enterrer tout dossier. Mais la raison qui fait ça, vivre là, nous je dis. Donc, en gros, dernier kidnapper arrêté pour Pierre Espérance, c'est Fleurival Mendy, dans Saint-Marc, 12 janvier. Elle paraît devant la police, devant témoigner le 17 janvier 2023. Merci.